qu'il sera guéri, il paraît qu'il va y retourner, et ce duel. Pourquoi s'est-il battu, ah ? Quant à ça, néante. Je l'ai bien demandé au domestique, mais il n'en savait pas plus que moi, et la bonne vient savoir des nouvelles de monsieur, elle est déjà venue deux fois. Mais je ne crois pas qu'elle vienne aujourd'hui, son heure est passée. Point. À quelle heure vient-elle ordinairement, le matin, c'est-à-dire vers 11h30. Point. Il suffit. Demain je reviendrai vous voir, monsieur le portier, je n'ai pas besoin de vous recommander le plus grand silence sur tout ceci, oh. Soyez tranquille. Néante. C'est mort. Vous entendez bien que je suis usée sur tout ça. Adélaïde regagne à grands pas sa demeure, elle arrive tout effarée, et s'écrie en entrant, « Mes peines ne sont pas perdues. Enfin je suis sur la voie. Qu'est-ce que c'est donc, ma fille ?» demande Madame Chopard. « Tu parais émue, je vous dis, maman, que je vais connaître tout le fond de l'intrigue. Je suis sur la voie. Quelle voie ?» dit Monsieur Chopard. Car enfin, ma chère amie, il y a voix et voix, vous ne comprenez pas, papa, que j'ai découvert Monsieur Jean. Que je sais où il demeure, et tout ce qu'il a fait depuis 14 mois que vous avez été chez lui, se pourrait-il, Dieu. Quel a d'esprit, mais ce voyage, c'était un mensonge. Il était en Italie, rue Richer. Oh ! Jean Cellon ? Je sais quelle est la femme pour qui il m'a abandonné. Monsieur va passer des 15 jours à sa campagne. Il paraît même qu'il vient de se battre pour elle. Il a eu un affaire d'épée, une femme pour qui on se bat, ça ne peut pas être grande chose. Cette insolente Rose, qui voulait me faire croire que c'était une princesse. Elle n'a pas seulement cabriolet. Mais c'est égal, je verrai cette Madame d'Orville. Je lui parlerai, comment ? Ma fille, tu veux, maman, j'ai mon plan, d'abord il faut que je me venge. Vous pensez bien que je ne vais pas depuis 14 mois tous les jours chez des portiers pour que ça se passe en compliment. Mais, ma chère amie, mon papa, ne me contrariez pas, je vous en prie, ou je vais me trouver mal. Il faut la laisser suivre ses idées, dit Madame Chopard, c'est le plus sage. D'ailleurs, elle a trop d'esprit pour faire des sottises. Je suis de cet avis-là, répond Monsieur Chopard. Après tout, une femme de sa taille doit savoir se conduire. On ne peut pas faire naufrage quand on a un si beau port. Joli celui-là. Le lendemain Adélaïde rôdait à 9h du matin dans la rue Richer, de crainte de manquer l'arrivée de la femme de chambre. À 10h elle va s'installer dans la loge du portier, et les pièces blanches de Monsieur Chopard glissent encore chez le concierge bavard. Enfin à 11h15 Louise entre dans la maison, elle salue, demande Monsieur Durand, et monte. « Vous ne lui parlez pas, » dit le portier à Adélaïde. Non. J'aime mieux qu'elle ne me voie point. A. Alors, néante. À votre place j'aurais un peu jasé avec elle dans ma loge. Vous l'auriez fait causer. C'est ma défunte qui savait joliment entamer les conversations. Adélaïde laisse cette fois le portier parler tout seul, elle attend avec impatience que la femme de chambre descende de chez Jean. Louise ne tarde pas à reparaître, elle sort de la maison. Adélaïde quitte la loge et suit la domestique qui, après être entrée un moment à la demeure de Paris, va prendre la voiture de l'Usarche, et nous avons vu que Mademoiselle Chopard y est montée avec elle. Pendant la route, Louise, placée derrière Adélaïde, ne l'a point remarquée, et Mademoiselle Chopard a gardé le silence, ne parlant à aucun des voyageurs. On arrive bientôt à l'Usarche, Louise se hâte de se rendre près de sa maîtresse, et Adélaïde va dans l'endroit tâcher d'avoir des renseignements sur la conduite de Madame d'Orville. Caroline ouvre avec empressement la lettre de Jean. Elle ne cherche plus à cacher ce qu'elle éprouve, et laisse éclater sa joie en apprenant que sous peu de jours il sera près d'elle.
Elle questionne Louise sur l'effet qu'a produit son billet, elle lui fait 100 fois répéter les moindres détails sur le plaisir que sa lettre a causé à Jean, puis Caroline se dit, oui, il m'aime. Oh! Il m'aime réellement, je n'en saurais douter. Tout ce qu'il a fait depuis un an. Son désir de me plaire. Pauvre jeune homme. Je serais bien ingrate de ne point le payer de retour. Mais pourquoi me cacher que je l'aimais aussi en secret, que malgré moi je pensais à lui? Ne suis-je pas ma maîtresse, et maintenant n'est-il pas digne d'être mon époux? Caroline s'est livrée à ses douces pensées, elle se répétait encore que c'était pour elle que Jean s'était adonné à l'étude et avait perdu ses manières communes, ses habitudes de mauvaise compagnie qui gâtaient les heureux dons qu'il avait reçus de la nature. Elle s'était retirée dans son appartement pour y rêver à son aise à son amour, lorsque Louise vint dire à sa maîtresse qu'une grande dame demandait à lui parler. Quoi ? Encore une visite de Paris, je ne crois pas, madame, que ce soit de vos connaissances de Paris. Je l'aurais bien reconnue. Elle est si énorme, cette dame. Et pourtant on voit bien qu'elle est jeune. Je crois qu'elle était dans la voiture avec moi en revenant. Point. Voyons donc cette dame. Point. Caroline descend et trouve Mademoiselle Chopard que l'on avait fait entrer dans le salon où étaient Laure et Madame Marcelin. Le premier soin d'Adélaïde est de Toïs à sa rivale de la tête aux pieds. Le résultat de l'examen est un air de très mauvaise humeur, car on ne pouvait pas trouver Caroline laide. Que désire madame ? Demande la jolie femme avec ce ton doux et cette voix charmante qu'elle ne saurait changer. Je désire, madame, vous parler en particulier, répond Adélaïde en fronçant les sourcils et montrant le bout de sa langue. Caroline est surprise du ton de la grande dame, mais elle lui répond, « Je suis avec mes bonnes amies, madame. Je n'ai aucun secret pour elles, et je pense que ce que vous avez à me dire n'est point un mystère, pardonnez-moi, madame, c'est très mystérieux. » Caroline ne peut s'empêcher de sourire, mais elle fait passer Mademoiselle Chopard dans une autre pièce, tandis que la petite Laure dit à Madame Marcelin, on dirait que cette dame-là est un homme habillé en femme. Caroline présente un siège à Adélaïde et s'assied en attendant qu'elle s'explique. Adélaïde est plus embarrassée qu'elle ne le pensait devant Madame Dorville, car on ne lui en a dit que du bien dans tous les environs, et les gens honnêtes imposent beaucoup plus que les autres, cependant elle a formé son plan d'après ce qu'elle a appris, et elle commence. Madame et Madame Dorville, oui, madame. Moi, madame, je suis demoiselle et j'ai eu 21 ans à la Saint-Jean. Pardon, mademoiselle, mais on peut se tromper. Il est vrai que je suis très formée pour mon âge, mais aussi je resterai 20 ans comme cela. Je n'en doute pas, mademoiselle. Au reste, madame, si je ne suis pas mariée, je devrais l'être, depuis longtemps déjà. Et c'est vous, madame, qui êtes cause que je suis encore fille. Moi, mademoiselle, oui, madame, vous-même. Vous connaissez monsieur Jean Durand. Monsieur Durand. Oui, mademoiselle, répond Caroline en rougissant malgré elle, et commençant à prendre beaucoup plus d'intérêt à la conversation. Vous avez là, madame, une bien mauvaise connaissance, comment, mademoiselle? Expliquez-vous, je vous en prie. Point. Oui, madame, je vais m'expliquer. C'est pour ça que je suis venue. Vous saurez, madame, que je me nomme Adélaïde Chopard, fille de gens avantageusement connus, je m'en flatte, mon père est un ancien distillateur retiré au Marais, et quand je veux me mêler de mettre quelque chose à l'eau de vie, ça pourrait s'y conserver comme les momies d'Égypte, mademoiselle, ce n'est pas de cela, je pense, que vous voulez m'entretenir, non, madame, mais on est bien aise de faire savoir en passant qu'on a eu de l'éducation, et qu'on peut raisonner sur tout avec aplomb. Point. J'en suis persuadée, mademoiselle. Point. Enfin, madame,
pour en revenir à Monsieur Jean Durand, vous saurez que nous étions amis intimes de ses parents et que, dès l'âge le plus tendre, on avait résolu de nous unir, point de vous unir. Vous, mademoiselle, avec Monsieur Durand, oui, madame, moi-même, point, mais souvent les projets formés par des parents ne plaisent nullement à leurs enfants, point, oh. Madame, cela nous plaisait très fort au contraire. Nous étions toujours ensemble. Nous jouions tous deux au papa et à la maman. Monsieur Jean ne pouvait pas être un jour sans me voir, c'est au point que dans le quartier on nous appelait Paul et Virginie. Caroline a peine à cacher l'impression que lui fait le récit d'Adélaïde, et celle-ci, qui s'aperçoit du trouble qu'elle lui cause, jouit déjà de sa vengeance et se décide à sacrifier même sa réputation pour perdre Jean dans l'esprit de sa rivale. Mademoiselle Adélaïde avait une manière d'adorer les gens bien agréables pour l'objet de sa passion, mais les femmes qui aiment ainsi sont rarement payées de retour. L'amour véritable ne ressemble jamais à la haine. Enfin, mademoiselle, dit Caroline en s'efforçant de cacher son agitation. Enfin, madame, nous avons grandi, et notre amour se développait de plus en plus. Monsieur Jean m'adorait, il ne cessait de me le répéter. Il devenait si brûlant, que nos parents jugèrent qu'il était temps de nous marier. Quand la mère de mon futur mourut, nous étions fiancés depuis 6 semaines, cet événement retarda notre mariage, mais je pensais que ce n'était reculé que pour mieux sauter. Je regardais déjà Monsieur Jean comme mon mari. Il était souvent seul avec moi. Il était si pressant, si tendre, et moi, je suis si faible que... Je vous comprends, mademoiselle. Il est inutile de m'en dire davantage, dit Caroline qui respire à peine. Eh bien, madame, croiriez-vous qu'après tout cela, lorsque je devais regarder Monsieur Jean comme ma propriété, lorsque mes parents avaient fait les dépenses et tous les préparatifs de notre union, cet ingrat, ce perfide, a tout à coup cessé de revenir chez nous et fait dire à mon père qu'il ne pouvait plus m'épouser parce qu'il était amoureux de vous et que vous comptiez sur sa main. Monsieur Jean a dit cela, mademoiselle, oui, madame, oh. Il est bien capable de le nier sans doute. Mais demandez-lui s'il connaît Adélaïde Chopard, s'il a dû l'épouser, si le jour de notre mariage n'a pas été fixé, si son parrain ne s'était point fait faire un pantalon collant pour le bal, et, à moins qu'il ne soit le plus fourbe des hommes, ce qui serait possible, vous verrez, madame, s'il ose me démentir point. Caroline s'est levée, elle marche avec agitation dans la chambre, Adélaïde la suit des yeux et reprend au bout d'un moment, « Certainement, madame, si je suis venue vous trouver, c'est à l'insu de mes parents. Mais enfin j'aime Monsieur Jean. Après tout ce que j'ai fait pour lui, je pouvais me croire sa femme. S'il ne m'épouse point, je suis résolue à me porter aux plus grandes extrémités. » Je sais que c'est pour vous qu'il m'a abandonnée. Mais je sais aussi, madame, que vous êtes excessivement vertueuse et capable des plus grands sacrifices. J'ai pensé que vous seriez touchée de mon amour, de ma situation, que vous ne voudriez point m'enlever un volage que j'aime encore malgré sa perfidie, et c'est pour cela, madame, que je me suis décidée à venir vous trouver et à vous avouer avec candeur ma malheureuse position. Vous avez bien pensé de moi, mademoiselle, répond Caroline en cherchant à surmonter son émotion. Je serais désolée d'être cause de votre malheur. D'abord, je ne sais pourquoi Monsieur Durand a pu supposer que j'accepterais sa main. Il n'a même pas été question d'amour entre nous. J'avais de l'amitié pour Monsieur Durand, mais je n'avais rien que cela. Je vous le répète, mademoiselle, si Monsieur Durand veut retourner à vous, bien loin d'y mettre obstacle, je serai la première à l'y engager. Au point où en sont les choses, un homme d'honneur ne peut revenir sur ce qu'il a promis. Ah ! Madame ! Je n'attendais pas moins de vous, s'écrie Adélaïde, et ma reconnaissance.
Vous ne m'en devez nullement, mademoiselle, je vous assure que cette résolution me coûte peu, et que vous vous trompiez beaucoup en me supposant de l'amour pour Monsieur Durand. En ce cas, madame, je vais m'éloigner légère comme une plume. J'ai tout lieu de croire que l'inconstant reviendra à moi dès qu'il n'espérera plus séduire madame. Du reste, voici mon adresse, et si madame doutait de la vérité de tout ce que je viens de lui dire, je la prie de venir prendre des informations dans le quartier. Elle saura que les Chopard. Oh ! Je vous crois, mademoiselle. Cette adresse m'est inutile, pardonnez-moi, madame, montrez-la seulement à Monsieur Jean, et vous verrez quelle grimace cela lui fera faire. Madame, je ne veux pas abuser plus longtemps de vos moments, je retourne à Paris, dans le sein de ma famille qui pourrait être inquiète de mon absence. Rappelez-vous, madame, que de vous dépend le bonheur d'une victime de l'amour et des promesses d'un fiancé. Il ne dépendra pas de moi, mademoiselle, que Monsieur Durand fasse son devoir. Adélaïde fait à Caroline une profonde révérence, celle-ci la reconduit jusqu'au vestibule. Là, après une nouvelle révérence, encore plus profonde que la première, Adélaïde s'éloigne et va prendre une petite voiture qu'il faut qu'elle paie fort cher pour retourner le soir même à Paris. Mais Adélaïde est trop contente du succès de sa démarche pour regarder à l'argent, et elle fait sauter les écus du papa Chopard en se disant, « Les voilà brouillés, brouillés à mort, j'en suis sûre. Cette femme-là aura trop d'amour-propre pour pardonner, et Jean, qui, au fait, n'est pas aussi coupable que je l'ai dit, ne sollicitera pas son pardon. D'ailleurs j'aurai l'œil sur eux. Je ne suis pas brouillée avec les portiers, moi. » Lorsque Mademoiselle Chopard est partie, Caroline, cédant à la douleur qu'elle s'est efforcée de contenir, va s'enfermer dans son appartement et la donne un libre cours à ses larmes. « Comme il m'a trompée, se dit-elle, moi, qui le croyais la franchise même. Avoir abusé de cette femme, de cette demoiselle. Après une promesse de mariage, se jouer ainsi des parents, de toute une famille. C'est bien mal. Mais si cela n'était pas. Oh ! Cela n'est que trop vrai. Il faut que cette demoiselle l'aime bien pour s'être décidée à un pareil aveu. Et lui ? Il l'a aimé aussi. J'avoue que je lui aurais cru un meilleur goût. Mais je sois injuste peut-être. Cette femme peut paraître fort bien. Elle est d'une taille superbe. Ah ! Jean ! Comme vous m'avez trompé. Cependant tout ce qu'il a fait pour me plaire depuis un an. N'importe, je ne puis plus estimer un homme qui a abusé d'une femme sur la foi d'une promesse de mariage, et je n'épouserai jamais un homme que je n'estime pas. On s'aperçoit bientôt dans la maison du changement qui s'est fait dans l'humeur de Caroline. Madame Marcelin et la petite Laure lui en demandent la cause, mais Caroline assure que l'on s'abuse et qu'elle n'a nul chagrin. Pour ramener le sourire sur les lèvres de sa maîtresse, Louise croit devoir lui parler de Jean. Mais alors la jeune femme prend un ton plus sévère et lui défend à l'avenir de l'entretenir de Monsieur Durand. Louise, tout étonnée, se tait, mais elle se dit, c'est depuis la visite de cette grande dame que ma maîtresse n'est plus la même. Cette grosse femme-là aurait bien dû rester à Paris. 2 jours se sont écoulés depuis la visite d'Adélaïde à l'Usarche. Caroline est toujours triste, mais à chaque instant elle semble plus agitée, car d'après ce que Jean lui a écrit, le moment approche où elle va le revoir, et cette entrevue doit la convaincre si Mademoiselle Chopard lui a dit la vérité. Les personnes qui habitent avec Madame Dorville désirent aussi avec ardeur l'arrivée du jeune homme, car elles pensent que sa présence dissipera la tristesse de Caroline. On dit que le bonheur est le meilleur médecin, et en effet la satisfaction de l'esprit, le contentement de l'âme, sont d'excellents baumes pour les blessures du corps.
Le billet de Caroline avait hâté la guérison de Jean, et 3 jours après l'avoir reçu, il part de Paris, brûlant d'amour, et se livrant au plus doux rêve que puisse se créer un amant qui vient d'apprendre qu'il est aimé. Jean n'est cependant pas allé au grand galop cette fois, car il est encore trop faible pour se tenir à cheval. Un cabriolet l'amène jusqu'à sa destination. Louise, qui le voit descendre de voiture, court au-devant de lui en s'écriant « Ah ! Que je suis contente de vous voir, monsieur, merci, ma bonne Louise. Et ta maîtresse, elle est au salon. Ah ! J'espère que vous allez lui rendre sa gaieté, d'autrefois, que veux-tu dire, que madame n'est plus la même depuis quelques jours. Nous ne pouvons deviner ce qu'elle a. J'en écoute plus Louise, pressé de revoir Caroline, il se hâte de se rendre au salon. Madame d'Orville y est assise près de madame Marcelin et de Laure. À l'aspect de Jean, elle ne peut se défendre d'un trouble viol, cependant elle se remet et le reçoit avec politesse. Mais le ton froid dont elle s'informe de sa santé, l'expression réservée de ses traits, ses manières qui ne sont plus les mêmes, tout glace Jean qui la regarde avec surprise et ne sait à quoi attribuer le changement qu'il remarque en elle. La petite Laure et madame Marcelin témoignent au jeune homme beaucoup d'amitié, il les remercie de leur tendre intérêt pour sa santé. Mais tout en leur parlant, ses regards sont toujours attachés sur Caroline, il voudrait lire dans ses yeux, mais la femme adorée ne daigne pas porter ses beaux yeux sur lui. Jean s'aperçoit qu'elle est vivement émue, que sa respiration est entrecoupée, qu'une peine secrète semble avoir altéré ses traits charmants. Il est sur le point de se jeter aux genoux de Caroline et de la supplier de lui apprendre le sujet de sa froideur à son égard. Mais Caroline, qui désire elle-même mettre fin à une incertitude qui la tue, sort vivement du salon pour se rendre au jardin, et bientôt Jean est auprès d'elle. « Au nom du ciel, qu'avez-vous contre moi, madame ? Qu'ai-je fait pour mériter d'être reçue de la sorte ?» s'écrie Jean en arrêtant Caroline dans le jardin. « Il me semble, monsieur, qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans l'accueil que je vous fais aujourd'hui. Je vous ai témoigné le plaisir que j'avais de vous voir rétablie. Et, non, madame, vous n'êtes pas la même avec moi, pardonnez-moi d'exiger davantage, mais vous ne m'avez pas habituée à ce ton glacé, à cette politesse cérémonieuse. Et pourquoi vous cacherais-je encore tout ce que j'osais espérer ? Mes lettres vous ont appris le secret de mon cœur. Oui, madame, je vous aime. Je vous ai aimé dès le premier jour où je vous ai vue. Cet amour a changé tout mon être. C'est dans l'espoir de parvenir à vous plaire que je me suis livrée à l'étude, que j'ai cherché à connaître le ton, les usages de ce monde dont vous faites l'ornement. Si je suis quelque chose maintenant, c'est à vous que je le dois, et lorsque vous sembliez me voir avec bonté, lorsque votre lettre a fait naître en mon âme le plus doux espoir et que j'accours ivre d'amour, je vous retrouve tout autre, la froideur, l'indifférence, voilà les seuls sentiments que vous me témoignez. Vous avez pu, monsieur, vous abuser sur l'intérêt que je vous portais, répond Caroline. Comme j'ai pu me tromper aussi sur les sentiments que je vous supposais, comment, madame, si cependant vous avez quelque amitié pour moi, jurez-moi de répondre avec franchise aux questions que je vais vous adresser, je vous le jure, madame. Connaissez-vous une demoiselle nommée Adélaïde Chopard ? Adélaïde Chopard ? Répond Jean tout surpris d'entendre Caroline prononcer ce nom. Oui, madame. Oui. Sans doute point. Le trouble de Jean achève de convaincre Caroline qui s'écrie en le regardant fixement, « Vous rougissez, monsieur. Je vois qu'on ne m'a pas trompé. Vous avez dû épouser cette demoiselle, en effet, madame, l'époque de ce mariage était même fixée. Mademoiselle Chopard vous regardait déjà comme son mari. » Est-ce la vérité, monsieur ? Oui, madame, je ne puis le nier. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, monsieur,
un homme d'honneur doit remplir ses engagements, surtout lorsqu'il a. Mais vous me comprenez, monsieur. Je vous quitte. Je ne vous cacherai point que désormais votre présence ne peut que m'être pénible. Retournez près de celle qui vous regarde à si juste titre comme son époux. Adieu, monsieur, adieu pour toujours. Caroline s'est éloignée, car les larmes la suffoquaient. Si ses pleurs eussent coulé devant Jean, il serait tombé à ses pieds, et peut-être une explication plus franche eût-elle dérangé le plan de Mademoiselle Adélaïde, mais malheureusement Caroline n'est plus là, et Jean anéanti, mais blessé de se voir traité de la sorte, lorsque sa conscience ne lui reproche rien, Jean, après être resté quelques minutes immobile dans le jardin, reprend sa fierté naturelle, et quitte la demeure de Madame Dorville en maudissant les femmes et l'amour. Louise rencontre le jeune homme au moment où il s'éloignait. « Où donc allez-vous, monsieur ?» lui dit-elle. « Je pars, » répond Jean d'une voix étouffée, « je m'éloigne de ces lieux où je n'aurais jamais dû venir. » Louise est restée toute saisie, elle ne conçoit rien au brusque départ de celui dont on désirait tant l'arrivée, et elle est encore dans la cour, à en chercher la cause que Jean est déjà bien loin de la demeure de Caroline. Jean est revenu à Paris, accablé par l'accueil de Caroline et ne concevant point que la connaissance de ce qui s'est passé entre lui et la famille Chopard lui ait fait perdre son cœur. Jean est loin de se douter de tout ce qu'a dit Adélaïde. « Ma conduite a pu être légère, se dit-il, j'ai sans doute blessé l'amour-propre de Mademoiselle Chopard. Mais devais-je lui sacrifier le bonheur de ma vie, et Madame Dorville doit-elle me faire un crime de ce dont elle est seule la cause? C'est elle qui m'a appris à connaître mon cœur. Je n'avais nul amour pour Adélaïde et j'adorais Caroline. C'est pour cela qu'elle ne veut plus me voir, qu'elle me bannit de sa présence. Suis-je donc si coupable? Non, c'est qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne m'a jamais aimé, et que, fâchée de m'avoir écrit une lettre trop tendre, elle a ensuite saisi ce prétexte pour rompre avec moi. Jean est rentré chez lui, il s'enferme dans son appartement. Il regrette ses goûts, ses penchances et son indifférence d'autrefois. Alors, se dit-il, j'étais plus heureux. Qu'avais-je besoin de chercher à m'instruire? On me trouvait bien dans le monde que je voyais. J'ai acquis quelques connaissances, mais j'ai perdu cette insouciance qui suffisait à mon bonheur. C'est pour elle que j'ai voulu me changer. Et voilà comme elle m'en récompense. Dans son dépit, Jean jette au loin ses livres, ses cahiers, puis il se met sur son lit en jurant de ne plus penser à Caroline. Mais son image est toujours devant ses yeux, il croit la voir, il lui parle, il l'entend sans cesse. La nuit n'a point éloigné de sa pensée cette image chérie. Il est 1 heure du matin, et Jean ne peut trouver le repos, lorsqu'un bruit sourd frappe son oreille, il écoute, le bruit part de sa croisée, il semblerait que l'on force son volet. Jean a laissé une chandelle brûler sur la cheminée, il va se lever, lorsque sa fenêtre s'ouvre entièrement. Ne doutant point que des voleurs ne se soient introduits chez lui, Jean a saisi des pistolets qui sont toujours placés dans sa table de nuit, puis feignant de dormir, il tient ses armes cachées et attend l'événement. 2 hommes paraissent à la fenêtre. « Il y a de la lumière, » dit l'un d'eux. « C'est singulier. » On nous avait dit que le bourgeois couchait ce soir à la campagne. C'est égal, en avant, puisque nous y vais là. Tant pis pour lui s'il y est point. Et les 2 misérables enjambent la croisée et s'avancent dans l'appartement. Ils se dirigent vers le lit qui est au fond de la chambre. Il y a quelqu'un de couché? Allons-nous en, dit l'un. Non, non. Il y a de l'argent à gagner ici. Il faut en finir. Et de peur qu'il ne s'éveille, il faut, ah. Tu avais dit que nous n'en viendrions pas là, je croyais que nous ne trouverions personne.
Mais pour forcer le secrétaire, nous ferons du bruit, ça l'éveillerait, il crierait, et je veux l'en empêcher. Point. En disant ces mots, le malheureux s'approche du lit, tenant un poignard à la main. Il va lever le bras sur Jean, lorsque celui-ci, se relevant par un mouvement aussi prompt que l'éclair, présente à chaque voleur le bout d'un pistolet. Les deux misérables sont frappés de terreur. Cependant, ils vont fuir, lorsque Jean lui-même laisse tomber ses armes en s'écriant : « Oh mon Dieu ! N'est-ce point un songe ? C'est vous ? Démarre ? Gervais ? C'est Jean !» s'écrient les deux brigands en se rapprochant du lit. Et pendant quelques secondes, tous trois se regardent sans pouvoir dire un mot de plus. « C'est vous, reprend enfin Jean, vous, que je retrouve ainsi. Démarre. Tu allais m'assassiner, ma foi oui. Mais je ne savais pas que c'était toi, malheureux. Voilà donc où vous en êtes venu. Au dernier degré du crime. Voilà où vous ont conduit l'oisiveté. Le goût de la débauche, et cette haine pour le travail, que vous appeliez amour de la liberté. » Gervais semble anéanti, mais Démarre s'écrie, « Ah ça ! Mon petit, est-ce que tu crois que c'est pour entendre de la morale que nous sommes montés chez toi ? Il nous faut de l'or. Tu en as ? Te rappelles-tu que tout devait être commun entre nous ? » Jean regarde quelques instants Démarre avec indignation, puis, se levant, il va poser ses pistolets sur une table, ouvre son secrétaire, et en tire deux sacs d'argent, il en présente un à Démarre et l'autre à Gervais, en leur disant, « Je pourrais vous livrer à la justice, mais je préfère vous donner encore les moyens de changer de conduite. » Chacun de ces sacs renferme 1200 francs. Avec cela vous pouvez quitter la France, et aller dans un autre pays chercher du travail, et renoncer à votre infâme métier. Tu as bien plus d'argent ici, peut-être, dit Démarre, qui s'est placé entre Jean et la table sur laquelle sont les pistolets, et nous pourrions te forcer, je ne vous donnerai rien de plus. Je n'ai plus d'armes, tu peux maintenant m'assassiner. Non. Non. Jamais, dit Gervais en se plaçant au-devant de Jean. Allons, Démarre, fuyons, il est temps. Je crois entendre du bruit dans la rue. La rue était calme, mais déjà Gervais a repassé par-dessus la croisée. Après un moment d'hésitation, Démarre se décide à le suivre, et bientôt les voleurs ont disparu. Alors Jean va se rejeter sur son lit en se disant, « Et ce sont mes camarades de pension. Les compagnons de ma jeunesse. Faites donc des serments. Faites donc des projets. » Chapitre Tecvieux et dernier. Encore la petite bonne point double mariage. La vue de ses anciens compagnons de plaisir n'a point fait regretter à Jean d'avoir suivi dans le monde une autre route que, le lendemain de l'aventure nocturne, Jean ramasse ses livres, ses cahiers, et se dit, « Si elle ne m'aime pas, je lui devrai au moins de n'être pas resté toute ma vie un sot et un ignorant, et je sens qu'il m'est encore doux de lui devoir quelque chose. » Et Jean reprit goût à l'étude, trouvant que seule elle pouvait lui faire supporter ses ennuis, car depuis qu'il n'allait plus à l'Usarche, il ne sortait pas de chez lui. Il pensait sans cesse à Caroline, il sentait bien qu'il ne pourrait cesser de l'adorer, et ne faisait plus de vains efforts pour la bannir de son souvenir, mais elle lui avait défendu de chercher à la revoir, et Jean avait trop de fierté pour braver cette défense. Tout en ne concevant point que Caroline le bannît de sa présence parce qu'il avait dû épouser Mademoiselle Chopard, tout en espérant, peut-être au fond de son cœur, que la jolie femme ne l'avait pas totalement oubliée, car les amants ont toujours une arrière-pensée, Jean ne voulait faire aucune démarche pour se rapprocher de celle qu'il adorait. De son côté, Caroline, après son entrevue avec Jean, s'était bien promis, bien juré de ne plus penser à un homme qu'elle ne croyait plus digne de son amour. Mais le cœur est-il toujours d'accord avec les efforts de l'esprit, avec les projets de la raison?
Caroline essayait en vain d'être gaie, vive, enjouée comme autrefois, un soupir trahissait sa peine secrète lorsqu'elle affectait de sourire. Autour d'elle on ne prononçait jamais le nom de Jean, parce qu'on s'était aperçu que, lorsqu'on en parlait, cela redoublait sa tristesse. Caroline commençait à trouver que l'on respectait trop bien sa défense. Elle éprouvait en secret le désir de parler de celui à qui elle pensait toujours, mais elle n'osait entamer elle-même cet entretien, elle se disait, « Il ne reviendra plus, car il a de la fierté. Et je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Cependant il fallait qu'il m'aimât bien pour devenir, depuis un an, si différent de ce qu'il était autrefois. J'aurais peut-être dû m'en souvenir lorsqu'il était là. Et ce duel? N'est-ce pas en quelque façon moi qui en suis cause? C'est par jalousie que ce Volcourt l'a insulté. Si Jean eût été tué, Jean aurait donc été la cause. Et j'ai oublié tout cela. Mais cette Adélaïde Chopard, ce qu'elle m'a dit m'a fait un mal. Et il n'a pas même cherché à excuser sa conduite envers elle. Ah! C'est qu'il sentait bien qu'il ne le pouvait pas. Caroline se disait tout cela à elle-même depuis qu'elle n'osait plus parler de Jean, mais elle ne se consolait pas, elle ne reprenait point sa gaieté. Cependant elle ne pouvait pas non plus faire aucune démarche pour revoir Jean, qui de son côté restait enfermé dans son entresol. Voilà donc deux êtres qui s'aiment, qui brûlent de se revoir, et qui peut-être resteront toujours éloignés l'un de l'autre, parce qu'il a plu à une grande fille, méchante et jalouse, de débiter force mensonges et calomnies. Mais on dit qu'il est un dieu pour les amants. Voyons ce qu'il fera en faveur de Jean. Il y avait 3 semaines écoulées depuis que Jean était revenu de Luzarches. 3 semaines passent vite quand on s'amuse, elles sont éternelles quand on soupire, qu'on regrette et qu'on espère plus. Caroline avait trouvé la campagne monotone, et quoi qu'on ne fût encore qu'à la fin de septembre, elle était revenue habiter Paris. Peut-être aussi pensait-elle qu'elle serait mieux en demeurant tout près de celui qu'elle ne voyait plus, mais Jean, qui croyait Caroline à la campagne, ne pensait point à se mettre à la fenêtre. Pendant ces 3 semaines, Mademoiselle Chopard avait fait de fréquentes visites à son cher ami le portier de Jean, et elle avait appris que le jeune homme était revenu de la campagne le même jour qu'il y était allé, que depuis ce temps il ne sortait plus de chez lui, et paraissait être toujours de fort mauvaise humeur. Adélaïde, enchantée, s'était frotté les mains en se disant « J'ai réussi. Ils sont brouillés. Ils ne se verront plus. Je vais encore laisser Jean se désoler quelque temps, puis un beau jour je m'offrirai à ses regards et je lui dirai « Vous êtes un grand perfide. Mais je vous aime toujours, quoique papa et maman me l'aient défendu, épousez-moi et je vous pardonne. » Alors il m'épousera. Et cette jolie femme, que je trouve affreuse, en desséchera de chagrin. Et pour être toujours au courant de ce qui se passe, Adélaïde va souvent rue Richer, elle s'informe s'il ne vient point une femme pour le jeune monsieur de l'entresol, et le portier lui répond, néante. Ni femme, ni bonne, ni domestique point. Et pour prix de ces néantes, la grande demoiselle lui glisse des pièces blanches. Un matin que Mademoiselle Chopard revenait, suivant son habitude, de prendre des informations qui étaient satisfaisantes, et qu'elle pensait à avoir bientôt une entrevue avec Jean, au coin du boulevard du Temple et de la rue Charlot, elle se trouve en face de Rose qui, le panier au bras, allait faire des emplettes. La petite bonne regarde Adélaïde en faisant la grimace, la grande fille, qui est enchantée de pouvoir prendre sa revanche en mystifiant Rose, s'arrête et lui dit d'un air moqueur, « Ah! C'est vous, Mademoiselle Rose. » Oui, Mademoiselle Chopard, vous voilà en course de bon matin, on pourrait vous en dire autant. Il est vrai que votre papa assure qu'on ne vous enlèvera pas à moins de se mettre à 4. Adélaïde se mord les lèvres et reprend, « Et les amours de Monsieur Jean, en avez-vous des nouvelles ? »
Peut-être, est-il toujours en Italie? Non, il est en Sibérie à cette heure. Ah. Ah. Mademoiselle Rose qui a cru que l'on serait sa dupe. On est aussi maligne qu'une autre. On sait que ce pauvre jeune homme ne sortait pas de son entresol de la rue Richer, monsieur Jean demeure rue Richer, oh. Faites donc l'ignorante. Et cette grande dame, qui avait trois voitures, qui était millionnaire, nous la connaissons aussi bien que vous maintenant, cette belle madame d'Orville, vous connaissez, allez, mademoiselle Rose, ce n'est pas à moi qu'on cachera rien. Je sais tout, je vois tout. Je vous ai dit que Jean serait mon mari. Il le sera. Vous connaîtrez avant peu Adélaïde Chopard. Adélaïde s'est éloignée, et Rose, qui est restée quelques minutes toute surprise de ce qu'elle vient d'entendre, se dit bientôt, comment? Elle savait l'adresse de Jean, et je ne la savais pas. Il est à Paris, et j'ignore ce qui se passe. Et cette grande sournoise a l'air de se moquer de moi. Ah! Ne perdons pas une minute. Courons rue Richer, il faudra bien que je le trouve aussi, ce vilain Jean qui nous oublie. Monsieur m'avait envoyé lui acheter une dinde aux truffes, parce qu'il voulait se régaler aujourd'hui. Mais, par exemple, on dînera, ou on ne dînera pas, ça m'est égal, il faut avant tout que je voie monsieur Jean. Et Rose court jusqu'à la rue Richer. Elle demande dans toutes les maisons où il y a des entresols, enfin elle trouve la demeure de Jean. Elle monte, elle entre, elle est chez lui avant d'avoir repris sa respiration. « C'est Rose !» s'écrie Jean en regardant la petite bonne qui entre tout essoufflée. « Oui, monsieur, c'est moi, c'est Rose qui vous retrouve enfin. Vous voilà donc ?»« Ah !» Que c'est vilain de se cacher ainsi de ses amis, de votre bon parrain qui vous aime tant. Faire croire qu'on n'est pas à Paris, et y rester depuis 15 mois sans venir nous voir, oui, Rose, c'est vrai, je conviens que j'ai eu bien tort, est-ce que vous pouviez penser que monsieur Bellecu était encore fâché contre vous? Lui qui vous aime tant. Sans cette grande Adélaïde, je ne saurais pas encore votre adresse. Mais j'ai tant couru, je n'en puis plus, pauvre Rose, embrassez-moi donc, ça me fera oublier la fatigue. Jean embrasse Rose de bien bon cœur, puis la petite bonne demande au jeune homme ce qu'il a fait depuis 15 mois, et où en sont ses amours. Alors Jean lui raconte tout ce qui s'est passé entre lui et Caroline, son bonheur, son ivresse, lorsqu'il s'est cru aimé, et son désespoir depuis 3 semaines qu'il ne voit plus celle qu'il adore. Rose, qui a écouté Jean avec beaucoup d'attention, lui dit, « D'abord, monsieur, il ne faut pas vous désoler, car madame d'Orville vous aime toujours. Tu crois, Rose. Je ne le crois pas, j'en suis sûre, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me revoir. Parce qu'alors elle était en colère. Elle m'a traité avec froideur, avec indifférence. Tout cela ne prouve rien. Ce qui prouve bien plus, c'est cette lettre charmante qu'elle vous écrivait 3 jours avant. Pour qu'elle ait changé ainsi, il faut qu'on lui ait fait sur votre compte de faux rapports, d'horribles mensonges. Oh! Il y a de la Chopard là-dedans. Tu crois, Rose, j'en suis certaine. N'est-ce pas par cette grande Adélaïde que je viens de savoir votre adresse? Elle ne croyait pas alors si bien me servir. Mais nous verrons si elle sera plus habile que moi. Et madame d'Orville demeure ici près, oui, mais elle est à la campagne maintenant, c'est bon. Adieu, monsieur Jean, vous me reverrez bientôt. Rose, que veux-tu faire? Songe que je te défends d'aller de ma part chez madame d'Orville, que je ne veux pas retourner chez elle. Oui, oui, c'est bon, ça suffit, dit Rose en sortant, et elle laisse son panier chez Jean, car elle ne songe plus au dîner de son maître, et elle est décidée à partir sur le champ pour l'Usarche, quoiqu'elle ne sache pas encore quel prétexte elle prendra pour se rendre chez Caroline, mais en passant dans la rue, elle se dit tout à coup, si madame d'Orville aime toujours monsieur Jean,
Pourquoi ne serait-elle pas revenue à Paris, au lieu de rester loin de lui? Quand on est prêt, on peut se rencontrer. Rose avait deviné juste, le portier lui dit, « Madame d'Orville est à Paris depuis 8 jours, elle est chez elle, montez. » Rose monte, mais arrivée devant la porte, elle s'arrête cependant pour chercher ce qu'elle dira, ce qu'elle demandera, pourquoi elle viendra. Il était temps d'y penser, mais Rose avait beaucoup d'imagination. Après un instant de réflexion, elle a trouvé ce qu'il lui faut, elle sonne chez Caroline. Louise vient ouvrir, et Rose lui dit, « Mademoiselle, c'est ici chez Madame d'Orville, oui, mademoiselle. Mon Dieu, je ne sais pas si je dois déranger Madame. Je viens pour, si vous voulez me dire ce que c'est, mademoiselle, bien volontiers, Monsieur Durand est allé cet été voir Madame, votre maîtresse, à sa campagne de Luzarche, oui, mademoiselle. Monsieur Durand avait emporté un petit livre, couvert en maroquin rouge. Mon Dieu, je ne sais plus le titre. Mais Monsieur Durand y tenait beaucoup parce qu'il lui venait de sa mère. Je viens savoir si vous l'avez trouvé à Luzarche, mademoiselle. Je n'ai rien trouvé, mademoiselle, je ne sais pas si madame a vu le livre dont vous parlez. Attendez un moment, je vais le lui demander. Louise va rapporter à sa maîtresse ce qu'on vient de lui dire. Au nom de Jean, Caroline rougit, puis elle répond d'un air indifférent, c'est une bonne qui demande cela, oui, madame, est-ce qu'elle est là, oui, madame. Faites-la entrer, car vous vous expliquez si mal que je ne comprends pas un mot à ce que vous me dites. Louise va dire à Rose, entrez, mademoiselle, et Rose sourit en dessous, car elle était bien sûre qu'on la ferait entrer. La petite bonne se présente devant Caroline avec un air modeste et doux, Caroline la regarde avec bienveillance, puis fait signe à Louise de s'éloigner. Ensuite elle dit à Rose, « Vous venez pour un livre, mademoiselle, oui, madame. Vous êtes donc au service de Monsieur Durand, non, madame, je sers depuis longtemps Monsieur Bellecu, le parrain de Monsieur Jean. Oh, un bien brave homme qui aime Monsieur Jean comme son fils, je sais. Monsieur Durand m'a parlé quelquefois de son parrain avec qui il était, je crois, brouillé, oui, madame, c'est donc Monsieur Durand qui vous envoie, oh. Non, madame, j'ai pris la liberté de venir de moi-même, il est, à Paris Monsieur Jean, oui, madame. Oh. Il ne sort pas de chez lui. Il y avait bien longtemps que je ne l'avais vu, et ça m'a fait de la peine de lui trouver l'air si triste, si chagrin. Comment, vous croyez qu'il a du chagrin? Je ne sais pas, madame. Y a-t-il longtemps que vous connaissez Monsieur Jean? Oh. Oui, madame, je suis entrée fort jeune chez Monsieur Bellecu, et Monsieur Jean venait souvent voir son parrain. Vous avez été témoin de ses amours avec Mademoiselle Adélaïde Chopard, des amours, de qui, madame? De Monsieur Jean avec cette demoiselle qu'il connaît et qu'il aime depuis l'enfance, Monsieur Jean. Connaître Mademoiselle Chopard depuis l'enfance. Ah! Quel mensonge! Il ne l'avait jamais vue. Il n'avait jamais pensé à elle avant que Monsieur Bellecu eût l'idée de ce mariage-là. Comment, vous êtes sûre? Asseyez-vous donc, ma petite. Caroline montre à Rose une chaise qui est près d'elle, et Rose s'assit modestement sur le bord. C'est donc le parrain de Monsieur Jean qui a pensé à le marier avec Mademoiselle Chopard, oui, madame. Ah! C'est une idée bien sotte que mon maître a eue là, mais alors Monsieur Jean était un peu jeune, un peu étourdi, et on pensait que le mariage le rangerait point et il a été bien amoureux de cette demoiselle, amoureux de Mademoiselle Chopard. Non, vraiment. Il ne l'a jamais été, jamais. Ah! Vous vous trompez, mais non, madame, j'étais bien au fait de tout. Car j'étais la confidente de Monsieur Jean, il me contait tout ce qu'il pensait, il ne consentait à ce mariage que pour plaire à sa mère. Il ne connaissait pas l'amour alors.
Mais quand il est devenu amoureux, ce n'était pas de Mansell Adélaïde, puisqu'au contraire c'est de ce moment qu'il s'est résolu à rompre son mariage. Et c'est cela qui a fâché son parrain contre lui. Il se pourrait. Vous pensez? Ah. Dites-moi tout, ma chère enfant, dites-moi bien la vérité. Je m'intéresse aussi à Monsieur Jean. En disant ces mots, Caroline mettait sa chaise tout contre celle de la petite bonne, puis ôtant d'une de ses mains une jolie bague enrichie d'une fort belle étincelle, elle la passait à l'un des doigts de Mademoiselle Rose qui se laissait faire, se contentant de répéter « Ah ! Madame, comment avez-vous pu croire que jamais Monsieur Jean ait aimé Mansell Chopard, cependant il a dû l'épouser point parce que sa mère désirait ce mariage point il regardait Mademoiselle Adélaïde comme sa future, c'est-à-dire qu'il la regardait comme toutes les autres, sans y faire attention point ce n'est pas ce que cette demoiselle m'a dit. Elle m'a avoué, au contraire, qu'entraînée par sa faiblesse pour Monsieur Jean, et lui croyant déjà sur elle les droits d'un époux, ah. Dieu. Quelle horreur. Elle a osé dire. Faut-il avoir un front? Ce pauvre jeune homme, lui. Avoir séduit Mansell Adélaïde. Non, madame, non, cela n'est pas. C'est pour se venger de ce qu'il a rompu son mariage, que Mademoiselle Chopard invente de telles faussetés. Mais si ses parents savaient qu'elle dit cela. Ah. Par exemple, je ne pense pas que Monsieur Chopard ferait un calembour là-dessus. Point. Caroline croit Rose, elle a besoin de se persuader que Jean ne s'est pas conduit comme Adélaïde le lui a dit. Elle fait répéter à Rose tout ce qu'elle sait sur Jean, sur son enfance, sur son caractère, sur le mariage projeté, sur l'erreur de tous ceux qui, témoins du changement d'humeur de Jean, l'attribuaient à son amour pour sa future. Enfin Caroline est convaincue que c'est elle seule que Jean a aimé, qu'il aime encore, et elle s'écrie, pour prix de son amour, de tout ce qu'il a fait pour me plaire, je l'ai renvoyé, je l'ai traité avec mépris. Ah. Rose, combien je m'en veux, d'un mot, madame, vous pouvez le rendre au bonheur, mais ce mot ou le lui dire. Il ne veut plus venir, et je ne puis aller le trouver, et... Madame, n'y a-t-il pas mille moyens? Tenez, si. Et comme Louise entrait dans l'appartement, Rose parle bas à l'oreille de Caroline qui lui répond, « Oui, Rose, oui, j'y consens. À propos, et ce livre, oh! Il est retrouvé, madame, répond la petite bonne en souriant, puis elle fait à Caroline une belle révérence, et s'éloigne lestement. Rose remonte chez Jean. Témoin de la joie qui brille dans ses regards, le jeune homme veut la questionner, mais Rose est très pressée, il faut qu'elle retourne chez son maître qui l'attend, et elle se contente de dire à Jean qu'elle va prévenir son parrain de sa visite dans la journée. « Oui, Rose, j'irai aujourd'hui. Point n'y manquez pas, monsieur. » En disant ces mots la petite bonne s'éloigne, elle retourne chez son maître que la goutte retient maintenant chez lui, et qui ne sait que penser de la longue absence de Rose. Mais en rentrant, celle-ci lui dit, « Je l'ai trouvé. Il va venir. J'ai vu celle qu'il aime. Ah. C'est cela une belle femme. Une figure. Et des manières. Un ange, enfin. » Et tenez, regardez comme ça brille. Rose met sa bague sous les yeux de Bellecu qui ne comprend rien à la joie de sa bonne, et lui demande si elle a trouvé ce diamant dans la dinde qu'il lui a dit d'acheter. Pendant que Rose explique à son maître tout ce qu'elle a fait depuis le matin, Jean se décide à sortir pour aller chez son parrain, les paroles de Rose lui ont rendu quelque espérance, cependant il soupire encore, et en sortant de chez lui, il jette tristement les yeux sur la demeure de Caroline. Jean est arrivé au Marais, il ne revoit pas sans plaisir le quartier témoin des folies de son enfance, dans une grande ville, chaque quartier est une patrie. Après s'être arrêté devant la maison où il est né, Jean se rend enfin chez son parrain.
C'est Rose qui introduit le jeune homme dans un petit salon où Bellecu est assis. Jean se jette dans ses bras en lui disant « Pardonnez-moi d'avoir douté un moment de votre amitié. Vous ne m'en voulez plus de n'avoir point épousé une femme que je n'ai jamais aimée. » Non, mon cher Jean, répond Bellecu, en pressant tendrement son filleul dans ses bras, non, je ne t'en veux plus. Mais j'ai arrangé un autre mariage pour toi, ah. Mon cher parrain, ne parlons pas de mariage. Il n'est qu'une seule femme que je puisse aimer, il faut pourtant que tu épouses celle que je vais te présenter, et qui est là, dans la chambre voisine. » Jean regardait autour de lui avec étonnement, mais Rose qui n'y tient plus, a ouvert une porte, et Caroline est devant les yeux de Jean. Elle lui sourit, elle lui tend la main. Et déjà Jean s'est emparé de cette main chérie. Il veut se jeter aux pieds de Caroline. Mais il est bien mieux encore, il est dans ses bras. Quand on s'aime bien, il ne faut pas de longues explications pour s'entendre, en quelques minutes les deux amants en ont dit assez sur le passé, ils ne sont plus qu'au présent qui leur offre amour et bonheur. Bellecu regarde Caroline avec admiration, il répète avec Rose, c'est un ange. Quant à son filleul, il ne le reconnaît plus, il trouve qu'il a de si belles manières, et s'exprime si bien, qu'il ne sait pas comment parler devant lui. « Eh bien, dit Caroline à Jean, refuserez-vous encore la femme que votre parrain vous propose ?» Pour toute réponse, Jean baise la main chérie, et Caroline reprend, « Mon ami, je puis vous l'avouer enfin, je vous ai aimé dès le premier instant où je vous ai connu. Quelque chose me disait que vous changeriez pour me plaire. N'est-il pas vrai, monsieur, que votre filleul vous plaît mieux ainsi ?» Bellecu s'incline en murmurant avec prétention, « Il est si bien que je ne le reconnaissais point point. » Jean est pressé d'être heureux, Caroline n'a plus d'autres désirs que les siens, le mariage est fixé à 10 jours de là. On ne fera point de noces, mais Caroline veut absolument que Bellecu soit du repas que l'on fera chez elle, et Bellecu accepte en baisant la main de la femme charmante. Pendant les 10 jours qui précèdent le mariage, on pense bien que Jean est plus souvent chez Caroline qu'à son entresol. Mais Mademoiselle Adélaïde, qui continue d'aller chez le portier, apprend bientôt tout ce qui s'est passé. Au lieu de lui répondre néante, on lui dit que Monsieur Durand se marie dans 8 jours, et qu'en attendant il passe presque toute la journée chez Madame Dorville. Adélaïde est furieuse, elle sort de la loge du portier en renversant la pie et en écrasant un pierrot, elle court chez Caroline, elle monte, elle sonne avec violence, mais Louise, après lui avoir répondu, « Madame ne peut pas vous recevoir », lui ferme la porte sur le nez, et la grande fille, rouge de colère, revient chez ses parents et s'écrie en arrivant, « C'est fini. Monsieur Jean se marie dans 8 jours. » Ça m'est égal. C'est un polisson que je n'ai jamais aimé, mais je veux absolument me marier le même jour que lui. Mon papa, voyons vite dans la foule de mes soupirants points. La foule ne se composait alors que d'une seule personne, c'était Monsieur Courtapatte, négociant en huile, âgé de 32 ans, et haut de 4 pieds 5 pouces, qui, suivant l'usage des petits hommes, avait une prédilection marquée pour les grandes femmes, et devait, par cette raison, adorer Adélaïde. « Nous ne pouvons t'offrir maintenant que Monsieur Courtapatte, dit Madame Chopard, il est un peu petit, mais, ça m'est égal, je le prends, répond Adélaïde, j'aime mieux les petits hommes. C'est plus commode pour donner le bras. C'est vrai. Répond Monsieur Chopard, d'autant plus que tu as un bras de mer. Oh, oh! Bras de mer? Pas mauvais point, mais songez, papa, qu'il faut que je me marie dans 8 jours aussi point. On va prévenir Monsieur Courtapatte de son bonheur, et pour complaire à Adélaïde, on presse tellement les choses, que son hymen a lieu en effet le même jour que celui de Jean.
Mais comme la célébration n'a pu se faire à la même église, Madame Courtapat se fait promener en calèche avec son mari et sa famille, et la voiture a ordre de passer plusieurs fois dans la rue Richer, et on paie la musique de la loterie pour qu'elle s'arrête sous les fenêtres de Madame Dorville, devenue alors Madame Durand, et le gros tambour s'écrie en frappant sur sa caisse. C'est pour avoir l'honneur de célébrer le mariage de Mademoiselle Adélaïde Chopard avec Monsieur Courtapat, et là. Mariée jette alors des regards fulminants sur les fenêtres de Caroline, et son époux, en voulant lui baiser la main, se trouve presque entièrement caché dans les plis de la robe de sa femme. Étage M. Chopard est enchanté de se promener en calèche suivi par la musique, et il s'écrie « J'espère que ma fille ne se marie point sans tambour ni trompette. » Mais aussi quand on a un mari dans les huiles, on peut faire les jours gras toute l'année. Oh ! Oh ! Encore un fameux. Quant aux autres mariés, ils s'occupent peu de ce qui se passe dans la rue, tout à leur bonheur, tout à leur amour, ils repartent pour l'Usarche le lendemain de leur union. Bellecure remercie Caroline qui l'engage à venir passer quelque temps à sa campagne, mais Bellecure n'est plus un gambe, il reste maintenant près de son foyer, heureux de faire encore de temps à autre sa partie de dame avec sa petite bonne. Marié à celle qu'il adore, Jean jouit du bonheur le plus doux, tandis que Démare et Gervais, ses deux amis d'enfance, vont finir aux galères une carrière flétrie par tous les vices. Jean donne quelquefois un soupir à ses malheureux, puis il embrasse sa Caroline en lui disant « C'est toi qui m'as fait ce que je suis point ». Et la femme charmante lui répond, en passant doucement son bras autour de son cou, « Mon ami, on voit des hommes de fort bon ton aimé à fumer, à jouer, à jurer même quelquefois, mais, du moins, quand ils le veulent ils reprennent près des dames ces manières aimables qui font le charme de la société. On excuse mille choses chez les gens qui ont de l'éducation, mais celui qui ne veut rien faire, rien apprendre, reste isolé au milieu du monde, et pour n'avoir pas voulu prendre un peu de peine, il se prive de beaucoup de plaisir. » Fin. Table des matières. Page. Chep. Premier. L'accouchement. 1-2. Le baptême. 23. Voyage en coucou. Visite à la nourrice. 49-4. L'enfance de Jean. 71-V. Bal chez un maître de danse. Adolescence de Jean. 82-6. L'assemblée de famille, et quel en fut le résultat. 177. Les trois fugitifs. 124-8. Le monstre. 149. Un autre tour de démarre. La famille du laboureur. 155x. La maison paternelle. Jean est un homme. 171-11. La petite bonne. Projet de Bellecu. 184-12. La famille Chopard. 198-13. Tête à tête des futurs. Jean est fiancé. 214-14. Événement nocturne. Le souvenir d'une jolie femme. 232-15. La dame au souvenir. 245-16. Caroline. 259-17. Seconde visite chez Madame Dorville. 272-18. Jean est amoureux. 292-19. Changement de conduite. 305-XX. Jean en grande soirée. 318-XXI. Jean se prononce. 336-XXI. Le père ambassadeur. 351-XIE. L'emploi d'un AN. 370-XIV. Tentative infructueuse. 385-XXV. Séjour à l'Usarche. 401-XXVI. Visite, duel et ses suites. 414 Tegvi. Adélaïde chez Caroline. Les voleurs. 438-XXVIE et dernier. Encore la petite bonne. Double mariage. 462.
Astérisque 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 end of the project Gutenberg ebook Jean astérisque 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 updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1.A by reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. Si paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Si paragraph 1.E below. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work,
Or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation at set forth in section 3 below.
1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability,
Costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form are readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6221541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp or small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael Essar was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Back. Paul de Kock. Jean, C.H. Paul de Kock. Jean. Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Chapitre 9. Chapitre X. Chapitre 11. Chapitre 12. Chapitre 13. Chapitre 14. Chapitre 15. Chapitre 16. Chapitre 17. Chapitre 18. Chapitre 19. Chapitre XX. Chapitre XXI. Chapitre XXII. Chapitre TPSIE. Chapitre TPSIV. Chapitre XXV. Chapitre XXVI. Chapitre TECVI. Chapitre TECVIE et dernier. Table des matières. The full Project Gutenberg license.